Schönheit, so Jean Genet, habe keinen anderen Ursprung als eine Verletzung, die der Mensch in sich trage. Giacomettis Kunst sei es, diese Verletzung aufzuspüren. Bonjour Alberto. Bien. C'est en 54 que j'ai rencontré Alberto pour la première fois. Je passais de longues après-midi dans son atelier, posé, immobile. Nous parlions. Mettez la chaise bien à place. Oui, ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude maintenant. C'est pas... J'essayais de comprendre cet homme, le seul pour lequel j'ai eu de l'admiration. Il avait tellement d'humilité. Il disait toujours qu'il n'en était qu'au début. Que tout ça, c'était des esquisses. Je ne sais même pas si je suis sculpteur. J'ai l'impression que je n'ai pas le sentiment des volumes. C'est vrai, hein? Quand je regarde vos têtes en face, j'ai du mal à imaginer votre profil ou l'arrière. Et quand je regarde votre profil, j'oublie la face. Et après, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Remarquez, quand je vois cette peinture, je me demande aussi si je suis peintre, alors... C'est fou. Vous avez l'impression qu'elles sont ratées, alors tous les marchands s'arrachent vos toiles ou vos sculptures? Réussi ou raté, je m'en fous. Ça ne veut rien dire pour moi. Le raté m'intéresse autant que le réussi. Enfin, il faudrait même mieux exposer les choses les moins bonnes que de choisir les meilleures. Je vois déjà le titre. Les plus mauvaises toiles de Giacometti. Vous rigolez, mais c'est vrai. Si les plus mauvaises tiennent, alors les bonnes, elles tiennent sûrement. Si par contre vous montrez les meilleurs, c'est une illusion. Parce que s'il y en a d'autres qui sont moins bonnes et qui ne tiennent même pas, même si elles sont cachées quelque part, même si vous ne les faites pas voir, elles existent. Moi, j'en ai tellement déchiré d'essais, de tentatives. Les chiottes en sont pleines, mes abandons. On fait que ça. D'effacer, de se tromper, de chercher. C'est comme si j'étais aveugle et j'avançais à tâtons. Oui, à tâtons. Mes premières tentatives, elles ont bouché les chiottes de la prison de Fresnes. C'était en 44. J'écrivais Notre-Dame des Fleurs. Il venait de guillotiner Pilorge. Moi aussi, j'étais aveugle. Regardez-moi. Et désespéré. Regardez-moi.
La nuit sort de tes yeux et s'étend sur ton visage. Il est sombre. Comme si au grand soleil, une ombre s'était portée sur ton âme. Tu ne dormais pas, tu ne rêvais pas, tu étais en fuite. Immobile et pâle, glacé, droit, étendu, raide, sur le lit plat comme un cercueil sur la mer. Les genoux savaient chaste. Tandis que j'étais attentif à te sentir t'écouler en moi, tiède et blanc, par petites secousses continues. Viens, mignon! Divine! Tu jouais à jouir. Au sommet du moment, une extase calme t'illuminait et mettait autour de ton corps un nimbe surnaturel. Comme un manteau que de la tête et des pieds tu perçais. Plus qu'à un autre, je songe à Pilorge. Ton visage enténèbre le mur de son rayonnement glacé. Pilorge, mon tout petit, mon ami, ta jolie tête hypocrite a sauté. Tu avais 20 ans. J'envie ta gloire. Son visage éclabousse le mur. La nuit des cellules, la nuit des esprits des damnés, des gouffres, les bouches des gardiens, les poitrines des juges, et finir par me laisser avaler très très lentement par un crocodile géant formé des bouffées de l'air empestées de la prison. Mignon.
Divine. Je suis Anna, l'hôte pédalerie. Voyez, mes chéris, voyez la divine mariée à Dieu. Elle se lève au chant du coq pour aller communier la toute repentante. Je suis donc la folle fille. Car vous ne doutez pas qu'en fin de compte, c'est mon destin, vrai ou faux, que je mets tantôt en haillons, tantôt manteau de cour sur les épaules de divine. Frappez, frappez fort. Je suis un cadavre, poursuivi par le cadavre que je suis. Tu es mon affolant. Je suis la foule. Alors, tiens-moi comme à ma fille. J'ai peur. Décomposition peut-être vont éclore à ma surface quelque horreur ou beauté que je devine suscitée par eux. Trop macabre, c'est ça? Ah non. Au contraire. Mais il
qu'ils semblent avoir accumulé à ce point toute vie, qu'il ne leur reste plus qu'une seconde à vivre. Un geste à faire. Et qu'ils connaissent enfin la mort, comme si trop de vie était assez en eux. Vous croyez qu'il faut avoir accumulé trop de vie pour pouvoir enfin connaître la mort? Dans vos peintures, oui. C'est curieux. À l'époque, je parlais tout le temps de suicide. J'en parlais tellement qu'Annette a fini pour me dire que soit je me suicidais, soit j'arrêtais d'en parler. Alors, la mort dans l'âme, j'ai arrêté d'en parler. Mais je trouvais que le suicide devait être une expérience fascinante. Vous ne croyez pas? Ah merde, on est tout le temps dérangé. Non. Non, Alberto, je ne crois pas. Pour moi, la mort, c'est encore le son de la guillotine qui tranche la tête de Pilorge. Son corps et son visage radieux hantent encore mes nuits. D'ailleurs, la mort, elle rôde dans chacun de tes portraits. Ils sont immortels, et pourtant déjà morts. Alberto, je me souviens dans ma cellule, quand je caressais sur les murs les traces des anciens détenus en forme d'ex-voto. Quand je laisse aller mes doigts sur tes sculptures, c'est pareil. Il y a ce même plaisir. Il m'a dit qu'autrefois, il a eu l'idée d'enterrer une de ses sculptures. Je me suis dit que la terre lui soit légère. Il ne voulait pas qu'on la découvre. Ou alors bien plus tard, quand lui-même et jusqu'au souvenir de son nom aurait disparu. L'enterrer, était-ce la proposer aux morts? C'est fou. Elles sont d'une fragilité extrême et pourtant inébranlable. Qu'as-tu dû vaincre, Alberto, et de si menaçant? Un jour, il y a 3 ans, j'ai découvert une de ces sculptures sous la table, peut-être la plus belle, cachée, sous la poussière. Il m'a dit que si elle était vraiment forte, elle se montrerait un jour. C'était une petite femme fragile, en marche. C'est vrai, l'œuvre d'art doit descendre les millénaires et rejoindre l'immémoriale nuit peuplée de morts. Isaku Yanehara. Lui aussi aurait eu droit à ces séances de pause sans fin qui se perdaient dans la nuit. Je me souviens, quand tu luttais avec ce visage, Alberto, tu étais désespéré. Tu m'offrais le spectacle émouvant d'un homme qui ne se trompait jamais, se perdait tout le temps. Enchevêtrement de lignes grises sur un fond presque noir. Et cette accumulation de vie, pas moyen d'y faire tenir autre chose, un grain de vie en plus. Visage aspiré. Continue, Alberto. Surtout ne t'arrête jamais. C'est joli, hein? Oui. Je pense qu'un jour, Annette a voulu enlever toute cette poussière. Encore en train d'écrire. Mais je croyais que vous ne pouviez écrire que la nuit, dans la solitude de votre petite chambre d'hôtel. Vous allez trouver un titre? Moi, j'en ai un. Rencontre d'un peintre raté
avec un écrivain repenti. C'est pas mal, non? Allez, on se remet au travail si on veut que ça avance un peu. Vous ne vous laissez jamais attendrir par les autres. Je ne sais pas, peut-être des fois par des types. Mais alors, en général, après, je les hais de toute cette tendresse à laquelle ils m'ont obligé. C'est curieux que je vous parle de ça. Mes histoires, j'ai l'impression que je les nourris de cette haine. Alors que vous, votre art, il se nourrit de... Je ne pense pas que vous ayez jamais porté un regard méprisant sur un être ou sur une chose. Il me semble que pour vous, tout apparaît dans sa précieuse solitude. Chaque être, chaque objet semble irremplaçable. Il y a une sorte... d'amitié qui rayonne des objets. Regardez-moi. Quand je débarque dans une ville, je me retrouve sans savoir comment devant la prison. Il y en a qui vont visiter le zoo, et bien moi je vais devant la porte de la prison. J'ai toujours pensé que ce qui se passait dans ma cellule était en fait beaucoup plus réel que la vie dehors. C'est curieux. Mais maintenant, je vous le dis, j'ai la même impression avec votre atelier. Quand je le quitte et que je me retrouve dans la rue, eh bien... plus rien n'est vrai de ce qui m'entoure. Et merde ! C'est impossible. Jamais je m'en sortirai. Plus j'avance, et plus j'ai l'impression que votre visage s'éloigne de moi. Les peintres, les vrais, ils savent déjà à quoi ils veulent arriver. On ne peut pas travailler sans avoir l'image approximative du tableau achevé. Eh bien, moi, non. Rien. Je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi je veux arriver. En fait, si. Je voudrais juste arriver à peindre juste une fois en regard. Je suis sûr que tout le reste en découlerait. Je peine comme je le vois, c'est tout. La merde, c'est qu'en plus, il faut en faire un tableau. Ça ira sans doute mieux demain. Tu pas. Depuis le temps que je travaille à votre portrait, j'aurais mieux fait d'être clown. Ou funambule, peut-être. Avec ma jambe amochée, mon numéro n'aurait pas été bon. Et pourquoi je ne sais pas, je pense à une femme, Camilla Meyer. Je l'ai vue une fois à Marseille. Des projecteurs éclairaient son fil qui était à 30 mètres au-dessus du vieux port. À chaque extrémité du fil, il y avait une petite plateforme. Elle se tenait sur l'une d'elles, et à l'autre extrémité, il y avait son fils. Il lui apportait une chaise au milieu du fil, elle prenait cette chaise, qui ne tenait que sur deux de ses pieds, et elle s'y asseyait, seule. Elle en descendait, seule. En bas, sous elle, toutes les têtes s'étaient baissées. Les yeux étaient cachés par les mains. Le public ne faisait même pas l'effort de la regarder quand elle frôlait la mort. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez ? Je regardais. Pour l'aider, pour la saluer, parce qu'elle avait conduit la mort au bord de la nuit. Je trouve que dans votre travail, il y a cette même solitude mortelle. Vous vous souvenez quand vous me disiez que lorsque vous avez su que votre accident d'auto vous laisserait une légère claudication, vous aviez été content. Bien, j'ai l'impression que dans vos sculptures, il y a ce même sentiment. Leur solitude et leur tristesse ressemblent à la tristesse et à la solitude d'un homme difforme qui, soudain, nu, verrait sa difformité étalée au regard des autres. Et merde, c'est fou. Je vois plus du tout comme avant. Chaque fois que je regarde votre visage de nouveau, il a l'air de se refaire.
de changer. Je le vois comme s'il disparaissait, ressurgissait, disparaissait de nouveau. Mais on n'y voit plus rien maintenant. J'aime bien travailler à cette heure-là, parce qu'on voit bien les zones qui prennent le mieux la lumière. Mais vous avez raison, arrêtons-nous. De toute manière, je n'y arriverai sans doute jamais. Et puis ce soir, je suis trop fatigué. Mais si, tout à l'heure, vous étiez très enthousiaste. Oui, c'est vrai. Des fois, je me sens très proche de la vérité. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y a 5 minutes, votre visage était presque achevé. C'était un portrait si beau que j'ai eu envie de vous le montrer. Même le regard était parfait. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur la toile. On peut voir quand même? Non, j'ai tout effacé. Faut que je recommence tout à zéro. Vous pourrez venir demain? Non, pas demain. Je mange un morceau au café, j'ai faim. Vous venez? On discutera là-bas. Oui, j'arrive. راح نيك كيف الشيء tu comprends rien au fil c'est pas vrai. Je sais pas ce que c'est que la peur quand on est là-haut. Quand le vent commence de se lever et que tu te retrouves comme un con avec juste ta peur entre les jambes. Et en dessous, tu sens qu'ils n'attendent que ça. Qu'ils finissent comme une merde, écrasés au sol. Alors la beauté du funambule, moi
J'en ai marre de toutes ces conneries. J'en ai marre de ces chambres d'hôtel pourries. De ces journées passées au pieu avec un mec qu'il faut pas déranger. De ces cirques minables où il y a des soirs où t'es même pas payé tellement il y a personne. Tu fais pas ça pour du pognon. Ah ouais? Et pourquoi alors? Pour ceux qui sont en bas et qui te regardent même pas au moment où toi tu risques ta peau? Il y en a toujours qui regardent. Qui regardent jusqu'au bout, sans baisser les yeux. C'est pour cela que tu dois briller. C'est les paillettes qui brillent. C'est pas moi. C'est pour ça qu'ils nous ont donné un costume à paillettes. Parce que toi, t'es mort. T'es froid. Tu brilles pas quand t'es là-haut. Quand t'es là-haut, tu te concentres sur ce putain de fil et c'est tout. Tu penses à rien d'autre. Et quand tu y montes? Je pense que j'aurais dû faire le tapin. Ça gagne plus. C'est moins con comme boulot. C'est pas un boulot que tu fais. Funambule, c'est pas un métier. Non, c'est vrai. C'est pire. Tu voudrais être célèbre. Mais la célébrité... Non, non. C'est pas la gloire qui m'aiderait. Mais s'il y avait des milliers d'yeux qui me regardaient sans jamais me lâcher. Alors oui, je crois que jamais je pourrais tomber. Tu comprends? C'est comme s'il me tenait là-haut, accroché. Aide-moi, Jean. Aide-moi. Et toi, Jean, si je tombais? Si je tombais, tu me regarderais jusqu'au bout? Oui. Jusqu'au bout. Ben, je vais y aller. Tu mets le réveil? Oui, à quelle heure? Comme d'habitude, à 11h. Il n'y a pas d'autre origine à la beauté que la blessure. T'as pas un peu de pognon? C'est un copeau qu'Alberto m'a donné.
l'a trouvé dans la rue, devant une boutique de menuisier quand on se promenait le Dalésia. C'est un beau cadeau, non? Mon pauvre Jeannot, il y a que toi pour te faire refiler des trucs comme ça. Si tu veux, moi, je te ramène des paillettes. Ah oui, je veux bien. Je trouve ça très beau. Allez, salut, hein. Ces statues semblent appartenir à un âge défunt. Avoir été découvertes après que le temps et la nuit qui les travaillèrent avec intelligence les aient corrodées pour leur donner cet air à la fois doux et dur d'éternité qui passe. Sortent d'un four, résidus d'une cuisson terrible. Les flammes éteintes, il devait rester ça. Précède ton apparition sur le fil. C'est avant de l'escalader que tu meurs. Celui qui dansera sera mort. Quand tu apparaîtras, une pâleur va te recouvrir malgré ton phare et tes paillettes. Tu seras blême, ton âme livide. Sa logique. Il vous faut donc accepter cette misère, vivre la nuit de l'illusion de vos tours mortels. Je vais vous raconter un voyage que j'ai fait quand j'étais très jeune. Avec un ami beaucoup plus âgé que moi. On visitait le Tyrol et puis on a été bloqué par la neige au sommet d'un col. Cet ami était un vieil homme et il est tombé gravement malade. Le docteur de l'hôtel m'a dit qu'il était perdu et qu'il n'aurait pas passé la nuit. J'avais 20 ans. J'étais terrorisé à l'idée de devoir le veiller pendant cette nuit qui risquait d'être la dernière. Je le regardais et rien ne me semblait
plus effroyable que cette mort que je sentais approcher. Il était là, au fond de son lit, immobile. La peau jaune noire, tout ramassé sur lui-même, et déjà étrangement loin. Jamais aucun cadavre ne m'avait semblé si nul. Débris misérables, ajoutés comme le cadavre d'un chat dans une ornière. Plus tard dans la nuit, j'ai habillé le mort. J'ai fait du mieux possible, comme s'il devait se présenter devant une grande société brillante, une fête peut-être, ou comme s'il devait partir pour un long voyage. En soulevant, baissant, déplaçant sa tête comme un objet quelconque, je lui mis une cravate. Il était étrangement habillé. Tout semblait usuel, naturel. Il n'avait ni ceinture, ni bretelles, et pas de souliers. Je le recouvris avec un drap blanc. Je sortais de la pièce. Abdallah, petit funambule. La nuit frôle la mort. Le comédien, ça devrait être pareil. Il doit apparaître, scintiller, puis mourir. Vous êtes les résidus d'un âge fabuleux. Pas à la beauté d'autre origine que la blessure, singulière, différente pour chacun, cachée ou visible, que tout homme garde en soi, qu'il préserve, et où il se retire quand il veut quitter le monde pour une solitude temporaire mais profonde. L'art de Giacometti me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être et même de toutes choses, afin qu'elle les illumine.